Regardez-moi ce que j'arrive à looter. 146 pièces gratuites, hein. Voilà, c'est pas mal, des outils, un flash, c'est pas cool, d'accord. Mais c'est déjà un petit peu, hein. Faut bien que ça commence quelque part. Par contre, j'aimerais bien que les Goblin Raiders me suivent. Regardez, attendez. Allez, venez, quoi, vous êtes pas drôle. Coucou les brigands, venez pas. Voilà, là il y a moyen de faire quelque chose de mieux. Il y a moyen de récupérer la 14 contre 8. Surtout que je serai en haut de ma petite montagne. Tuez-en un petit peu de leur côté quand même. J'aimerais un peu récupérer des sous. Alors après, si j'arrive à tirer une bonne flèche dans le bide de ce mec, il y a moyen que je récupère quelque chose. Cette partie, mais c'est n'importe quoi cette partie. Mais elle ressemble à rien cette partie. Enfin, j'exagère, mais vous avez vu, 8% de chance. Mais c'est. Ce mec, il a une bénédiction ou quelque chose comme ça, je sais pas ce qu'il a, mais il faut qu'il se calme. Non, mais 8% de chance. Il y avait rien, mais. Bon, écoutez, hein, je vais pas m'exciter, hein, mais c'est quand même assez fou. Il y a peut-être moyen que je récupère du bon stuff sur ce gars. Son casque, son fléau, sa vie, son espoir, son essai. Allez, tuez vos potes. Bon, apparemment, ils ont pas envie de s'entretuer. Des sous, parfait. Regardez ça, c'est magnifique. Il y a peut-être moyen de se faire les raiders. Ok, non, les raiders, ils vont forcément m'ouvrir. Je peux pas les attaquer pour faire genre. Ah, par contre, là, eux, je peux le faire. Ils vont... Oh merde. Oh non. Non, ça engage le combat avec les bandits raiders. Les... Hop. Vite, on se casse. Il y a moyen que ça fasse un truc cool. C'est que ça va coincer... Voilà. Et ça, c'est bien ça. Je vais d'abord me faire mon petit niveau pour être un peu sûr. J'ai bien envie de lui mettre Pathfinder, un truc comme ça.
Hein, ça sera pratique, je pense. Je vais lui mettre de l'initiative aussi, parce que ça a été utile. Je vais mettre un peu de fatigue. Voilà. Alors là, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment cool. Juste que je me mette bien en deux, pour qu'il me protège. Mais cette armée de miliciens va peut-être me remettre sur pattes. C'est impossible. Le 8% de raiders avant, les combats successifs avec l'armée des locales. Je crois que niveau queen et niveau ramasse-merde, j'ai jamais fait autant aussi bien dans ma vie sur ce jeu. Je peux pas faire mieux. On va bien y arriver hein, parce que il y a des brigands, il y a un peu des. Il y a trop d'arbalétriers. Bon, il y a quand même des mercenaires, donc ça va. Après le kill, mais je crois que ça me le comptera quand même un peu vu que j'ai fait du dégât dessus. Pour moi, le plus important c'est l'XP et un peu le stuff qui est un peu partout. Mais ce qui m'inquiète, c'est les Wolf Riders. Si vous avez suivi la partie précédente, il me semble que les Wolf Riders avaient un gros problème. Ah, j'avais pas vu, c'est bon. Quand même. En fait, ce qui me fait peur, c'est que lui fasse un pas de côté et il me rejoigne en fait. Ça me fait peur. Comme ça et comme ça. Ok, non, c'est bon. Je suis safe. Décidément, j'ai de la chance avec les 7%. Ah.
gobelin, on peut pas essayer de... Je sais pas moi... découper la tête, mec. Bon, ok. Non, on s'en fout. 212 d'XP. C'est pas mal. Un peu de stuff, pas grand chose, mais quand même beaucoup de flèches. Beaucoup de... Enfin, beaucoup de munitions. Et des routes un peu plus propres. Presque le niveau. Voilà, c'est pas mal ça pour l'instant. Je vais aller dans la ville et je couperai le temps de... Enfin, pour faire le prochain épisode. On a 520 pièces, on est revenu un peu... revenu à la normale. Alors, un voyageur salue notre compagnie. Alors évidemment, notre compagnie n'est pas très grande. Il est sur son chemin pour aller à Sandwick. Et il ne, ça ne le dérangerait pas de dormir avec nous. La question c'est, est-ce qu'il pourrait rester avec nous pendant la nuit? Oui, bien sûr. Ok, un jour il s'est battu dans la bataille de tout, de beaucoup de noms. Les orques contre les hommes, la fin de la guerre a mis fin à un âge entier. Bon, d'accord, il raconte sa vie. Très bien. Mais malheureusement, nous avons d'autres préoccupations que d'écouter les voyageurs du chemin. Alors, il y a un cargo, donc ça c'est bien. Et... Oh! Oh! Il y a une caravane. Dommage qu'on puisse pas accepter plusieurs missions en même temps. Le cargo serait safe parce que je pourrais éventuellement me fuir. Alors que la caravane, ce qui m'inquiète, c'est que si on se fait attaquer sur le chemin, j'ai pas assez d'hommes. Il n'y a pas de profil qui m'intéresse là. Éventuellement le barde pour le fun, mais... Allez, on recrute ces trois, ces deux mecs. Ça va. Hein. Ouais, pas mauvais, mais pas non plus brillant non plus. Surtout lui avec de l'initiative en moins. C'est un peu con. Oh, la fatigue en plus, mon dieu. Bon, lui est pas trop mal non plus, quand même. 6, 10, 17, il a 100 de fatigue, ouais. Ouais. Ah, on peut peut-être vendre du bois aussi ici. C'est vrai qu'on a du bois. J'ai oublié. C'est vrai qu'on a du bois. Pas de blessure. On peut peut-être se permettre de recruter lui aussi. Qui est... Non, qui est merdique. Oh là là. J'ai même pas envie d'acheter une arme. Allez, il va rester sans arme. On va escorter la caravane. Ah, ça va être la merde. J'aurais jamais dû faire cette mission. La caravane, il n'y a que 3 mecs dedans. Et voilà, on se fait attaquer. On se casse. Désolé. Vous nous en voulez? Non, ça va. Non, mais sérieux, quoi. On va pas non plus mourir pour une caravane. On a réussi à survivre jusque-là. Allez. Faut aller jusqu'au nord-est. Ah, c'est bon, c'est pas très loin ça en fait. Ça nous permettra de réaméliorer nos relations avec. Comme on paye pas les gens très cher, c'est forcément rentable. 140 en avance, 580 à l'accomplissement, enfin, à l'accomplissement de la quête. C'est bien. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on fait pas de combat. Et du coup, on gagne pas d'XP. Revenir sur le droit chemin, c'est compliqué dans ce jeu.
Ah oui, du coup, je voulais m'arrêter. Alors, attendez, je vais aller rejoindre cette quête et je vais faire la pause. Je reviens au prochain épisode. Thank you.